Et voilà le gamer type, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils. Qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues. Qui donc regarde d'autres gens en train de jouer, voilà. Pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie, quoi. Le Tokyo Game Show édition 2016 a eu lieu le week-end dernier. L'occasion pour certains de filmer en plan serré des hôtesses en tenue sexy, embauchées en nombre par les organisateurs afin de faire le pont entre le monde du jeu vidéo et le monde du tuning, dans l'espoir d'encourager les œuvres transmédia, et obligeant dans le même temps à faire sortir du bois certains journalistes trop contents du spectacle pour réussir à feindre une posture mature que le jeu vidéo requiert pourtant. Tokyo Game Show, durant lequel Alienware s'est fendu d'une analyse intéressante sur la VR. Selon son directeur marketing Joe Halmstead, c'est l'aspect mobile de la VR qui est à même de faire de la VR un device d'amusement entre amis du niveau de la Wii. Il faut selon lui s'éloigner de la tour PC de bureau pour mettre la VR dans le salon et pour transporter la VR lorsqu'on va chez des amis pour jouer tous ensemble. La nature est bien faite et il se trouve que lui vend des PC portables capables de faire ça. Mais cela se tient. On reproche aux jeux vidéo l'enfermement possible qu'il induit. La VR va souffrir de cet a priori que son aspect d'obstruction visuelle portera d'office. Alors lui conférer un aspect portatif et d'expérience de soirée semble un enjeu important. Alors qu'est-ce que vous attendez de plus de moi, bordel ? De la coopération. J'ai pas assez de temps, moi, pour m'occuper de vos petites conneries ! Normalement, je ne parle pas des rumeurs. Les rumeurs, c'est inutile d'en parler. Ça ajoute du doute, n'apporte pas de réponse, et ça se termine souvent par un wait and see insupportable. Mais j'ai toujours fait exception avec les rumeurs concernant le hardware, car il y a un cas où les rumeurs, c'est très bien, c'est quand la rumeur sert de prétexte pour lancer une réflexion qui apporte des réponses. Des réponses face à une problématique certes virtuelle, puisque non déclarée, mais des réponses quand même. Quand la PS4 Pro n'était qu'une rumeur parlant d'une PS4K, souvenez-vous en avril, c'était utile de considérer l'idée car ça lançait la réflexion sur la problématique d'utiliser la puissance d'une console pour du 4K, alors qu'il est préférable de faire un jeu bien plus beau et plus fluide avec cette puissance mais en restant en 1080p. Surtout que les trailers et les reportages ne sauraient montrer une vraie différence si c'est juste le même jeu mais en 4K. Et il se trouve en effet que la PS4 Pro esquive la résolution 4K dès qu'elle veut que son jeu impressionne, à l'instar du très beau Horizon Zero Dawn, dont la version PS4 Pro ne sera pas en 4K natif, apprend-on cette semaine, afin de pouvoir proposer d'autres améliorations visuelles. C'est un bon choix. L'intérêt d'une PS4 Pro se situe dans l'augmentation visuelle des jeux. Alors quelle déception cette semaine d'apprendre que The Witcher 3 ne sera pas patché pour proposer une amélioration graphique sur cette nouvelle console. On comprend que le studio CD Projekt ait autre chose à faire que de replancher longuement sur son jeu pour le mettre en 4K sur console, alors qu'il a déjà fait la plupart de ses ventes. Mais c'est un argument de moins pour la PS4 Pro. Sony aurait dû à minima aider le studio à augmenter le framerate de cet incontournable de sa ludothèque. Ça aurait fait bonne pub à sa PS4 Pro, et on aurait pu parler de budget publicitaire intelligemment utilisé. Vous allez me haïr. Non, non, je n'ai aucune haine. Si je vous vantais l'intérêt des rumeurs hardware, c'était pour vous parler de la NX qui, de son côté, continue de vivre sa vie de fantôme au fil des rumeurs. D'autant plus que, le temps passant, c'est certainement la dernière fois qu'on peut spéculer sur l'inexistant. Car on imagine bien Nintendo mettre des mots sur nos rêves d'ici une poignée de semaines. Dernièrement, les rumeurs parlaient de cartouches. Une cartouche, c'est très bien. Le bel objet, c'est important. Les constructeurs le savent au fond d'eux, sinon ils ne sortiraient pas tous les 4 matins une version collector de leur console aux couleurs de chaque blockbuster, comme la Xbox Gears of War ou la PS4 Final Fantasy. Bien sûr qu'il y a un rapport d'objet dans le jeu vidéo, il se vend des manettes de toutes les couleurs. Alors la cartouche, on a envie de dire oui, s'il vous plaît, et une grosse, hein, à la Super NES disons. Une cartouche qui nous appelle depuis l'étagère, comme pour nous dire d'y jouer. Avec la NX, Nintendo intrigue depuis mars 2015, parce qu'on sait que pour ce qui est de la console de salon, Nintendo ne peut pas se rater. N'oublions pas qu'il existe une jeune génération qui n'est contemporaine que de la Wii et de la Wii U,
qui a fait son enfance avec la 3DS, mais que quand vient le temps de demander accès à une ludothèque plus mature, cette jeunesse n'a pas de scrupule à plutôt demander une PlayStation ou une Xbox, comme si elle venait de passer une étape. On a beau retourner le problème dans tous les sens, la solution ne peut venir que de la ludothèque. Au fond, aucun concept ne sauvera jamais la prochaine console de salon de Nintendo. Puisse-t-on y jouer sous l'eau, avec les coudes, ou sur plusieurs écrans en même temps ? Toutes les rumeurs ont aidé à faire le point, comprendre que ça n'a en fait aucune importance. Le coup de la Wii de ne s'appuyer que sur un concept n'est plus possible. La ludothèque fera la console ou la défera.